Hey yo, what's up tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que j'en parlais, ça y est, allez, je vais le faire aujourd'hui. Je vais vous parler donc de mon engramme, de mon ouverture d'engramme, pardon, j'allais dire en anglais, de mon engramme opening. Donc vous voyez, j'ai pas mal d'engrammes, j'ai des engrammes exotiques. Hop, donc 5 au total et j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 engrammes. Donc il y aura 15 engrammes en tout. Voilà, donc je vais tous les prendre. Je sais pas si tout va passer d'un coup, on va essayer. Alors ça, ça va me faire un petit peu de place dans le coffre. Alors il faut savoir qu'en fait, au début je voulais les garder pour le prochain DLC. Mais je pense que Bungie va faire la même chose que pour le premier DLC. C'est-à-dire que quand vous allez garder vos engrammes et les ouvrir, vous pourrez looter que des choses qui sont sorties avant le DLC. Voilà. Je pense qu'ils vont refaire la même chose. Même, il faut s'y attendre, c'est sûr et certain. Donc c'est pour ça que je préfère les ouvrir maintenant. Et puis voilà, d'ailleurs pour ceux qui ont l'habitude d'acheter des engrammes exotiques avec les particules de lumière, et ben je vous conseille de ne plus en acheter et de tout simplement garder vos particules de lumière pour le prochain DLC. C'est-à-dire que quand j'y reviendrai après la sortie du premier DLC, c'est là qu'il faut dépenser ces particules. En tout cas, moi, c'est ce que je compte faire. Voilà, allez, c'est parti. On va aller voir au maître Raoul, on va aller ouvrir tout ça. Je vais commencer par ouvrir donc les engrammes légendaires. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout ouvrir d'un coup et on ira voir un peu après donc ce que j'ai pu looter dans ces engrammes. On va commencer par l'engramme décohérent parce que celui-là, il offre jamais rien d'exceptionnel. Ah, cap de l'Exode. Il me semble que je l'ai déjà, on reviendra dessus après. C'est parti pour les casques. Donc couteau de poche, là on va passer sur les armes lourdes. Gravité incertaine, contre toute attente. Allez, simple. Hop, allez, simple deux fois, peut-être avec des dégâts différents. Ah, pas de chance, j'ai eu des énergies. Encore des énergies, dis donc. Et poignée de main secrète, deux à la morgue. Alors, on va s'arrêter tout de suite avant d'ouvrir les engrammes exotiques. C'est parti, on va regarder un petit peu ce qu'on a pu looter. Tac, tac, tac. Alors, j'ai pas eu de torse. Alors, j'ai eu un casque, celui-ci. Donc voilà, après, celui que 33 de lumière. On va regarder un petit peu les capacités quand même. La portée des lancers de grenades est augmentée. Et votre énergie de super est restaurée lorsque vous tuez un ennemi avec votre grenade. Mais je vais pas le garder. Voilà, il n'y a pas vraiment d'intérêt. D'ailleurs, celui-ci non plus. Il n'y a pas vraiment d'intérêt à garder ces engrammes. On va regarder un peu ce qu'on a eu avec les armes. Donc là, par contre, j'ai eu pas mal d'armes lourdes. Donc j'ai eu gravité incertaine. Voilà, l'utilisation du viseur permet d'améliorer la portée pratique de cette arme lorsque vous rechargez cette arme après un frag, vous infligez temporairement plus de dégâts. Donc je vais garder pour l'instant, c'est en cryo électrique, c'est pas mal. Contre toute attente, donc les frags réalisés avec cette arme vous permettent d'infliger temporairement des dégâts supplémentaires. Donc ça vraiment c'est pas mal pour le PVP. Voilà, et ça augmente la vitesse de recharge de cette arme lorsque le chargeur est vide. Voilà, c'est plutôt pas mal pour le PVP, je vais garder, c'est en cryo. Malgré que 26 balles dans le chargeur, voilà, il y en a qui ont plus de balles, hein. Celle-ci on a 30 par exemple. Allez, simple, donc je l'ai eu deux fois. Bah, j'ai eu deux fois le même a priori. Non, j'ai pas eu deux fois le même, donc voilà. Donc le premier, le rayon dans lequel vous pouvez ramasser des munitions pour cette arme augmente. Et les roquettes de cette arme peuvent exploser plutôt en fonction de la proximité des cibles. Voilà. Et le deuxième, augmente la vitesse de recharge de cette arme lorsque le chargeur est vide et les roquettes se transforment en bombes à sous-munitions lorsqu'elles explosent. Donc là, moi j'ai la fin de Cropta, donc je vais pas garder ces armes-ci. Je vais pas garder les deux lance-roquettes. Voilà. Ensuite, j'ai eu poignée de main secrète, donc vraiment il n'a pas beaucoup d'impact pour un fusil à pompe. Les frags réalisés avec cette arme augmentent temporairement la vitesse de rechargement. Une cartouche aléatoire du chargeur inflige des dégâts supplémentaires considérables. Donc je vais quand même le garder pour cette deuxième capacité. Voilà, c'est pas mal pour le PVP, mais il faut avoir la chance de tomber sur cette cartouche là. Et deux à la morgue, donc là, vous voyez avec un impact un peu plus important. Les frags réalisés avec cette arme vous permettent d'infliger temporairement des dégâts supplémentaires. Et lorsque cette arme est équipée, les glissades sont plus longues. Donc je vais garder les deux, on verra plus tard ce que j'en fais. Pour l'instant, je compte les garder un petit peu. Tiens, on va regarder les skins, j'ai pas raté, c'est vrai, les skins des armes. Celui-ci, pas mal, c'est celui de l'avant-garde. Et celui-ci, il a son petit style, franchement il est joli, j'aime bien. Voilà, donc maintenant on va passer. Donc, ah, j'ai une cape, pardon, j'ai failli oublier la cape. La cape qui se trouve ici. Donc vous voyez, je l'avais déjà, c'est la cape de l'Exode. Donc on va pas la garder, c'est tout simplement la cape de l'astre. De l'astre mort. Voilà. Donc on va passer maintenant à ce que vous attendez tous, c'est-à-dire sans doute les engrammes exotiques. Donc c'est parti. Donc j'en avais 5, on avait dit, donc surtout des casques et des torses. Hein. Donc c'est parti, on va commencer par les torses, allez. Donc premier torse, cœur du feu de Praxique, donc pour un torse d'arcaniste.
Voilà, c'est pas mal, mais je l'ai déjà. Je vais regarder quand même les capacités juste après. Je sais ce qu'il te faut. Rapière des chanceux. Alors celui-ci, je suis content parce que je crois que c'est un des seuls qui me manquait. L'armementarium. Donc celui-là, pareil, je vais le garder parce que j'ai pas pris mon titan, mais bon, c'est peut-être. Attendez, on va revenir après dessus. Forteresse crânienne, donc un casque de titan, pardon. Et voile d'apothéose, voilà, un arca. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas celui-là, je le conseille vraiment pour l'arca. Il est vraiment plutôt pas mal pour le raid de Cropta. Donc, on va garder, je vais quand même les montrer, mais je vais les garder par rapport à la discipline. Parce qu'en fait, je sais plus combien j'ai de discipline sur mes autres personnages. Voilà, je vais pas perdre de temps à aller le voir pendant la vidéo. Donc, vous voyez celui-ci, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, beaucoup de discipline hein, sur celui-ci. Donc, les attaques de mêlée régénèrent l'énergie des grenades. Vous récupérez des points de vie quand vous ramassez une orbe et vos points de vie sont régénérés lorsque vous activez votre super. Donc vraiment pas mal hein, au niveau de la récupération des points de vie pour le raid hard de Cropta. Et la forteresse crânienne, donc pareil avec beaucoup de discipline. Les attaques de mêlée régénèrent l'énergie des grenades. Vous récupérez des points de vie quand vous ramassez une orbe. Donc celui-ci pas mal non plus hein, pour le raid d'Athéon. De Cropta, pardon. Et les frags réalisés avec le point de la tempête régénèrent vos points de vie. Donc vraiment bien aussi hein, pour le raid hard. On va regarder un petit peu les torts. Donc j'ai eu cœur du Freupraxique donc pour l'arca. Réduit davantage les délais de récupération des capacités lorsque la radiance est active. Donc ça c'est vraiment impeccable pour vraiment lancer beaucoup de grenades. Je crois qu'avec la radiance vous pouvez en lancer jusqu'à une quinzaine avec ce torse. C'est vraiment la folie. Voilà, vraiment beaucoup de discipline. Ça augmente également la capacité en munitions des fusils à fusion et la capacité en munitions des armes lourdes. Et l'armementarium, donc il y a un torse de titan. Donc vous pouvez porter une grenade supplémentaire et ça augmente aussi la capacité en munitions des armes lourdes et des armes spéciales avec beaucoup de discipline. Et en dernier, donc vous voyez, je ne l'avais pas, hein, je suis plutôt content de l'avoir looté, la rapière des chanceux. D'ailleurs, je vais pouvoir vous montrer à quoi il ressemble, tiens. Hop. Donc la rapière des chanceux, vous voyez, il est comme ceci. Donc avec pas mal beaucoup d'intelligence même, la grenade à répercussion affecte une plus grande zone. Vous réapparaissez avec de l'énergie de grenade, donc voilà, c'est plutôt pas mal. On augmente la capacité en munitions des armes lourdes et en munitions des fusils à fusion. Voilà, c'est bien, je vais le garder pour la collection, mais moi je préfère quand même équiper des casques hein, pour les chasseurs. Faut dire que les casques ils sont vraiment très très sympas. J'espère que cette vidéo vous a plu. Il y a une autre vidéo qui va sortir parce qu'il faut savoir qu'en fait, au moment où vous allez regarder cette vidéo, Lady et moi, on est tout simplement aux États-Unis. On est en train de visiter le studio de Bungie. Voilà, on a cette chance. Donc, il y a une autre vidéo qui va sortir. Voilà, je vous prépare quelques vidéos avant de partir. Il y a notamment cette vidéo. Je vais ouvrir tous mes colis. Donc, vous voyez là, il y a vraiment beaucoup de colis des postes et je vais tout ouvrir. Il faut savoir que j'en ai aussi sur mon Arca et mon Titan. Bon, j'en ai pas autant. Mais je pense qu'en tout, il y a plus de 20 colis des postes que je vais ouvrir. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Sachant que je vais en plus récupérer des colis, des cryptarques. Donc là, voilà, vraiment, ça va être une grosse vidéo. Je vous conseille de ne pas la louper, qu'il va sûrement y avoir des petits revêtements assez sympathiques. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des ouvertures d'engrammes, si vous aimez ou pas. À me dire quel équipement vous a plu, etc. À partager la vidéo, à laisser un pouce bleu. Je vous kiffe les potes. Prenez soin de vous. À très bientôt. Tchuss! Bizarre.